On est ici à Dinan, c'est une ville très particulière pour moi évidemment parce que c'est la ville où est né Adolf Sax et c'est une ville qui aussi personnellement est chère à mon cœur parce que c'est un peu le théâtre de mes rêves si on veut, notamment en 2010 quand j'ai gagné ici le concours international Adolf Sax, ce qui a un petit peu orienté ma vie et ma carrière. L'instrument, le saxophone, m'a séduit simplement. J'étais, je crois, en cours d'éveil musical quand j'avais 5 ans. Un musicien est venu et a joué du saxophone. Moi, je crois que j'ai été séduit tout de suite par l'aspect de l'instrument qui brille, qui est quand même très original, très particulier. Et puis, évidemment, par le son tellement riche, tellement puissant. C'est un instrument qui a un répertoire un peu plus pauvre parce qu'il a manqué pas mal de périodes de la musique avant d'être reconnu. Maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de belles pages à jouer, notamment le concertino de la caméra de Jacques Ibert que j'aurai le plaisir de jouer avec le Belgian National Orchestra en septembre.